coucou, c'est votre Lova, Lova de Bruxelles, la voix des 100 voix. Voici Adingra qui est arrêtée là-bas. Quelles sont ces deux femmes qui sont autour d'Adingra? La dame qui a porté Péricou là-bas, là, c'est elle qui était au terrain, c'est-à-dire c'est elle la mère adoptive d'Adingra. Maintenant, l'autre femme qui est à côté là, c'est qui? Question. Donc ces deux femmes là, ce sont les deux là, les voleuses d'enfants. Oui, oui. Ce sont eux qui ont pris l'enfant là. Regardez comment Adingra a arrêté là-bas. Il est tellement innocent, c'est-à-dire Adingra, il est tellement la victime. Il ne sait même pas dans quoi il est. Voilà Adingra. Maintenant, regardez les deux femmes là. Il ressemble à qui entre les deux? Entre les deux là, qui est sa maman? Voilà Adingra, hein. Voici Adingra qui est là. Voilà Adingra. Hein? C'est-à-dire il a arrêté là même, il ne sait même pas dans quoi il est. Voilà Adingra, et puis la maman, la dame qui était au stade là-bas, qui était au stade là, celle qui se fait passer pour sa maman là, c'est elle qui a arrêté là. Maintenant, qui est l'autre femme qui est à côté? Même la femme qui est à côté là-bas, elle ne ressemble même pas à Adingra. Aucune des deux n'est la mère d'Adingra. Voilà, voilà Adingra. Regardez comme il a arrêté. Vous allez voir même là, il souffre, l'enfant a beaucoup souffrance. L'enfant là, il a beaucoup à dire. L'enfant, il était trop maltraité. Il était trop maltraité. Il a beaucoup souffert. Raison pour laquelle à 12 ans, là, il est parti à l'aventure. Parce que s'il restait là, peut-être qu'il allait déjà. Tellement il a souffert jusqu'à il ne pouvait pas rester dans cette souffrance-là. Voilà comme il est allé au Bénin pour aller se chercher. Parce que la dame qui l'a pris, elle le maltraitait trop. Elle le maltraitait. Voilà comme à 12 ans. Il allait à l'aventure. Voilà Adingra. Hein? Voilà Adingra. Voici les deux voleuses là. Les voici qui sont arrêtées là-bas. Les deux voleuses qui sont en train de bouffer sur le dos de l'enfant. Qui se font passer pour la mère biologique d'Adingra. Les voici qui sont arrêtées là-bas. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Bien sûr, nous on a assis par terre. La maman a moins Yolande. Maman a moins Delphine. C'est elle qu'on connaît. C'est elle la mère biologique. Jusqu'à présent là, aucune vraie mère ne sort pour dire que ce qu'elle est en train de dire c'est faux. Aucune vraie mère ne sort pour venir intervenir. Donc celle qu'on connaît actuellement là, c'est Yao Amon Delphine. Le reste là, c'est le gouvernement.